Salut à tous les amis, cette semaine on essaye le premier SUV de la marque italienne Alfa Romeo, le Stelvio. On l'essaye dans une version assez intéressante, c'est une version essence qui développe 200 chevaux. Il présente des performances vraiment très bonnes pour sa catégorie, c'est le concurrent direct des Volvo XC40, BMW X3 et aussi Audi Q5. Vous allez voir, c'est une très belle surprise ce nouveau Stelvio d'Alfa Romeo. Allez, à tout de suite les amis. Dans la famille Stelvio, si je demande le plus petit moteur essence, j'ai droit au bloc 2 litres turbo de 200 chevaux. C'est vrai que face aux versions délurées de 280 et 510 chevaux pour la version quadrifoglio verdé, le petit de la famille fait pâle figure. Pour autant, avec sa finition Sport Edition, ses 4 roues motrices et son look résolument sportif, la concurrence peut se faire du souci. Les fins connaisseurs de la marque italienne reconnaîtront facilement beaucoup d'éléments provenant de la Giulia, qui souligne l'esprit sportif de ce SUV. Compteur en puits, bouton de démarrage au volant et siège avant enveloppant. La commande de boîte automatique s'inspire des BMW, dont la forme demeure très ergonomique. Ici, en format 8,8 pouces, l'écran du GPS est élégant et facile à utiliser. La connectivité Apple CarPlay ou Android Auto est enfin gérée dans les finitions Sport Edition et Lusso. Les palettes au volant, quant à elles, sont du plus bel effet, mais sont facturées 250 euros. Hors malus, le Stelvio s'affiche à partir de 43 700 euros. Notre version d'essai était équipée de la finition Sport Edition, comparable en tarif à la finition Lusso, la plus haut de gamme, mais avec des équipements différents. Châssis, siège et volant sport, jantes 19 pouces et étrier de frein coloré. À l'intérieur, siège en cuir, électrique et chauffant, caméra de recul, régulateur de vitesse adaptatif, vous l'aurez compris, un SUV très bien fourni. Au volant du Stelvio, on se rend vite compte que son domaine de prédilection se situe sur le réseau secondaire et les autoroutes. En effet, en ville, son diamètre de braquage important, la vision périphérique réduite à cause des grands rétroviseurs et de la petite taille de la lunette arrière, et enfin sa consommation qu'il est difficile de passer en dessous des 14 litres au 100 km, ne font pas de lui le roi des centres-villes. En revanche, loin des embouteillages, sa consommation diminue, mais n'espérait pas descendre sous les 10 litres au 100 km. Et ce n'est pas son poids qui le handicape, mais davantage sa transmission à 4 roues motrices, dénommée Q4. Il présente d'ailleurs un poids contenu par rapport à ses concurrents avec ses 1660 kg annoncés. Le Audi Q5 pèse par exemple 1795 kg avec son bloc TFSI de 252 chevaux. Concernant le moteur, Alfa Romeo a réussi une prouesse avec ce 4 cylindres de 200 chevaux et ses 330 Nm de couple. En effet, l'accélération de 0 à 100 km/h se fait en seulement 7 secondes 2 et la vitesse maximum atteint 215 km/h. Les relances sont juste excellentes, grâce notamment à un moteur qui est plein à tous les régimes. Chapeau bas, Alfa Romeo. Concernant l'amortissement, il s'avère être très efficace, notamment grâce aux suspensions dynamiques livrées de série dans la finition Sport Edition. Le maintien de la caisse en courbe et sur les grosses déformations de la chaussée frise-le sans faute. En mode dynamique, ce SUV présente une tendance propulsion à la réaccélération, corrigée de manière un peu vive par l'antidérapage. Sur autoroute, le Stelvio fait profiter de son habitabilité à tous les occupants et de son confort. En revanche, des légers bruits de roulement font leur apparition au-delà de 120 km/h. Il est clairement moins bien insonorisé que les modèles premium. Le trio allemand Audi, BMW, Mercedes doit maintenant faire face à une concurrence très féroce avec le Jaguar F-Pace. À partir de 52 000 euros avec son moteur de 250 chevaux, le Porsche Macan et son 2 litres turbo de 252 chevaux, affiché lui à 58 835 euros. Ou encore le DS7 Crossback à partir de 41 400 euros avec son moteur de 225 chevaux. Chez Audi, il vous faudra faire un chèque de 50 650 euros pour devenir propriétaire du moteur 2 litres TFSI dans sa finition de base. Le Mercedes GLC 250, quant à lui, présente un tarif de base de 46 450 euros et le BMW X3, un prix de 47 700 euros avec son 2 litres de 184 chevaux. Pour résumer, le Stelvio se place très bien face à ses concurrents, aussi bien en termes de tarifs, d'équipement que de performance. Le bilan de l'essai de ce Stelvio et sa motorisation essence de 200 chevaux est très bon, même si on regrette une qualité des matériaux qui n'est pas forcément excellente pour la catégorie, une consommation moyenne un peu élevée, entre 10 et 12 litres au 100 km. Pour autant, il présente beaucoup de qualités. On commence par l'extérieur avec son look à couper le souffle, une motorisation très volontaire avec un 0 à 100 abattu en 7,2 secondes.
seulement et aussi un équipement très riche dans cette finition Sport Edition facturée à 53 000 euros, ce qui le place en bas de la fourchette en termes de tarifs. On espère vous voir beaucoup à commenter cet essai, laissez un pouce bleu et je vous dis à bientôt les amis. Allez, ciao!